Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face. Le premier numéro de la semaine, nous allons parler Église et élections. Vous allez comprendre pourquoi je le dis, parce que je reçois l'un des pères, on va le dire, de notre, de nos églises dites des réveils. On parlera avec M. Albert Kankinza, avec qui nous allons débattre sur cette question, sa responsabilité autour de cette question. Vous le savez, depuis un certain temps, il a été accusé par plusieurs personnes d'être la pièce maîtresse de ce désordre, on va dire. Alors, il va nous expliquer un peu c'était quoi sa partition, jusqu'à quel niveau il a été impliqué, et aussi l'état de l'Église aujourd'hui. Alors, on discute déjà tout de suite avec lui, la civilité pasteur, merci archevêque, beaucoup. Évêque, en même temps. Très heureux d'être sur le plateau pour une seconde fois. Comment ça vous fait d'être appelé évêque, archevêque, archibishop? Ça vous fait quoi? Je ne suis pas attaché au titre. Ça ne me dérange pas, on peut m'appeler pasteur, ça ne me dérange pas. Archevêque général, ça a été un titre qui m'a été donné à la fin de mon mandat pour avoir été le premier président des églises d'Herveil. Avoir un plus long mandat aussi. Et oui, un mandat normal aussi. J'ai fait 15 ans, normalement 5 ans. Nos statuts disaient que les premiers 5 ans ne comptaient pas, c'était les 5 ans d'implantation. Et puis je fais 2 mandats. Ça faisait 15 ans. Donc, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça ne vous a pas coûté, en termes de temps, en termes d'énergie et de concentration dans l'œuvre de Dieu? Beaucoup, beaucoup, ça m'a coûté. Et puis, ça a plus se jouer sur ma propre église. Parce que c'est une église qui n'existait pas, qui n'avait jamais existé. Je l'ai sorti du néant. Donc, il fallait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et j'ai m'oublié moi-même, mais j'ai oublié mon église. Et l'église en a souffert énormément pendant plusieurs années. Parce qu'il fallait mettre sur pied quelque chose qui n'avait jamais existé. Donc, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, on va dire que Christ, qui est votre modèle, n'a jamais demandé des titres. Mais pourquoi vous en avez besoin? Des archevêques, des archevêques, Christ a beaucoup de titres. Ouais. Christ a beaucoup de titres. Mais ne le demandez pas, c'est les gens qui de lui donner. Mais moi, je n'ai pas demandé non plus. Mais les autres demandent, les bishops, archevêques. Non, moi, je n'ai pas demandé. Moi, j'ai été reconnu comme ça. Christ a beaucoup de titres. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est la rose du Saron, il est le lion de la tribu de Judas, il est le prince de paix, il est l'admirable conseiller, il est le père éternel, il est le soleil, il est vent, il est notre colère et notre... Voilà tout, tout ça, c'est Christ. Donc... Alors, ça, ce sont des titres de Christ, ouais. Et vous en avez aujourd'hui. Mais les termes, le titre que vous avez n'ont rien à voir avec on ne le trouve pas dans la Bible. Archevêque par exemple, est-ce qu'on peut trouver archevêque dans la Bible? Oui, les bishop dans la Bible, bien sûr. Dans la Bible vous trouvez les archanges, c'est-à-dire les anges et les archanges. Donc la Bible parle des évêques, donc on peut aussi parler d'archevêque. On peut parler des bishops aussi. Bishop c'est en anglais. Bishop c'est en anglais. Oui, bishop c'est en anglais. Donc ceux qui préfèrent être appelés bishop, ils choisissent l'appellation anglophone. Et les daddies, c'est encore une fois... Les daddies, c'est aussi une appellation... c'est l'influence des nations anglophones, okay. Le Ghana, le Nigeria. Parce qu'au Nigeria, au Ghana, au Kenya,
les pasteurs dans leurs églises sont appelés daddy, papa. Papa, donc ça a pu influencer aussi nos églises. Alors aujourd'hui, on va parler de votre responsabilité dans l'église de Réveil. Quand vous avez commencé, il n'y avait vraiment pas beaucoup de dissensions, il n'y avait pas beaucoup de départs, il n'y avait pas beaucoup de contradictions. C'était plutôt une très bonne nouvelle parce que les gens s'étaient fatigués des églises catholiques, il faut le dire. Les gens voulaient avoir une autre église où on priait beaucoup. Mais on a comme l'impression que petit à petit, vous avez copié l'élégance de l'église catholique, leur notoriété, leur manière de prêcher, enfin, je veux dire, leur habillement, ainsi de suite. On se pose la question, pourquoi avoir quitté l'église catholique, si c'est pour copier ou pour refaire la même chose que l'église catholique? Quand le réveil a commencé, parce que je suis un de premiers fruits de ce réveil, je me suis converti en 79, j'avais 20 ans, le réveil a commencé avec des mouvements, des prières, des groupes de prières charismatiques. Mmh. Donc, il n'y avait pas des gens formés, ni même ceux qui étaient là en train de diriger ces groupes vers les années 77, 78, eux-mêmes n'étaient pas formés. C'était des frères qui commençaient à beaucoup prier, à rechercher Dieu. Et d'où, il y avait beaucoup de choses qui avaient été rejetées en bloc, même ce qui n'était pas mauvais avait été rejeté en bloc. Moi, je me rappelle, j'avais 20 ans, on nous interdisait d'écouter la radio, on nous interdisait d'écouter, de regarder la télévision, parce que tout était charnel, tout était mauvais. On nous disait qu'il faut pas prêcher en préparant la prédication, il faut se tenir debout, ouvrir la Bible comme ça, au hasard, et puis commencer à parler. Donc il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait pas de dîmes, tout était interdit. Et qu'il faut juste prier, c'est tout. Mais au fur et à mesure, on comprenait que non, les offrandes, c'est important. On ne peut pas servir Dieu sans offrande, les dîmes, c'est important. Et puis comment on peut enseigner sans préparer, sans avoir les textes, les contextes, les développements, la conclusion de toutes ces choses. Et on a commencé à découvrir toutes ces choses. Donc aujourd'hui, par exemple, les vêtements, ça sert de tout. Bon, je trouve que ce n'est pas salutaire, ça ne sauve pas. Mais ce n'est pas non plus un mauvais, ce n'est pas plutôt un péché, un crime. Mais moi, quand je porte des habits, ça sert de tout, pour des services, pour des cérémonies. Je ne porte pas comme des habits catholiques. Mais vous avez... J'essaye, moi j'ai mon accoutrement, j'ai fait un choix d'accoutrement aaronique à l'époque d'Aaron. J'ai essayé de coudre comme Aaron, à la manière de la Bible, tous mes vêtements. L'église de Réveil, au fil du temps, elle va révéler beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de gens qui vont partir, beaucoup de légèreté, beaucoup de d'autoproclamations, beaucoup de sentiments, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, vous êtes à la tête de l'église de Réveil. Est-ce que vous avez pris dans votre temps l'idée de corriger certaines choses qui devraient être corrigées? Est-ce que vous avez pensé à toutes ces choses-là? Christian, tu sais, c'est une église plurielle. Ouais. C'est pas comme l'église catholique, l'église orthodoxe, l'église kimberliste, où on a des pères fondateurs, où on a des patrons, des chefs spirituels. Mais ici, c'est une église qui a commencé par, comme j'ai dit, le grand mouvement de réveil. Puis il y a eu des gens qui sont venus des assemblées de Dieu, des faits pas qu'on nous aime à l'amour, des groupes de prière. Chacun de nous avec son appel, sa vision, sa vocation, son ministère. Mais pour l'intérêt de la cause commune, nous nous sommes mis ensemble. Donc il n'y a pas un père fondateur, un chef spirituel, un patron qui donne les lignes et que tout le monde marche sur ces lignes. Nous avons beaucoup de divergences aussi au sein de l'église de réveil. Il y a beaucoup de courants, vous trouverez des courants qui croient au baptême au nom de Jésus simplement. Oui, par exemple. Et d'autres vous diront qu'ils croient au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des courants qui vous disent que les femmes ne peuvent pas porter des bijoux et les femmes ne peuvent pas prêcher. Donc on a tout ça au sein de l'église. Oui, mais comment vous gérez ça finalement? Mais il faut être souple. Il faut être souple, il faut être sensible, il ne faut pas imposer d'abord vos propres convictions, parce qu'il faut réunir tout le monde autour de vous, et c'est ce que je peux faire. Mais si Christ est notre modèle, pourquoi on va se diviser, pourquoi on ne va pas voir les mêmes choses si Christ est notre propre révélateur? Mais vous savez, l'Église, même, ce n'est pas seulement chez nous, hein. Si vous allez aux États-Unis, vous trouverez ce genre de courant, vous allez au Canada, un peu partout dans le monde. Vous trouverez ce genre de doctrines qui séparent les uns et les autres. J'ai écouté un prédicateur, j'étais encore très jeune, Jimmy Swaggart. Ouais. J'avais peut-être 25 ans, 26 ans. Il disait, l'Église ne sera jamais une sur la terre, mais elle sera une au ciel.
sur la Terre, on aura toujours des points de divergence, tel quoi ceci, tel quoi cela. Donc, c'est difficile qu'on trouve une Église, une, au niveau de la pensée, au niveau de la doctrine. Donc, sur le point doctrinal, on est toujours, mais ce qui nous unit, c'est la foi en Christ, c'est notre communion, c'est notre unité avec le Seigneur, intimité avec le Seigneur. Comment vous expliquez, archevêque général, comment vous expliquez le fait que le pays le plus, là où l'on cite les noms de Dieu, soit en même temps le pays le plus corrompu de notre pays, de la terre? On va parler de Nigeria, on cite beaucoup le nom de Jésus, c'est là où il y a beaucoup d'églises, des grandes églises d'ailleurs. En Afrique du Sud, on parle, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la RDC. Mais quand on veut parler de pays corrompus, on voit encore une fois le Nigeria, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Pourquoi là où on parle de Dieu, on parle aussi en même temps de la corruption dans la même proportion? La réponse est claire. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce abonde. Donc ça va, le péché, la grâce, Dieu, le diable. Non, le diable est en train de travailler, Dieu aussi est là. Bizarrement, c'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes fidèles dans les églises, ce sont eux qui sont des corrupteurs au niveau de l'enseignement, au niveau de l'administration, au niveau de la police, au niveau de l'armée. Ce sont les mêmes fidèles qui viennent dans vos églises, ce sont les mêmes à corrompre. Par exemple, de la République démocratique du Congo, quand vous parlez de fidèles, mais très peu de fidèles de nos églises ont été dirigeants dans cette nation. Très peu de fidèles des églises réveillées ont été des ministres, ou même sont des ministres, des généraux, des PDG. Non, mais je crains de dire que c'est plutôt le contraire. Ils sont tous à l'église catholique, ils sont tous à l'église Laborde, voilà. Ils sont tous dans vos églises. Non, ils sont beaucoup. La majorité sont catholiques, depuis l'indépendance. Mais les chrétiens. Mais les chrétiens, évidemment, ouais. Mais il y a des points de vue maintenant différents. Ouais. Nous, moi, je suis réveillé. Réveille parce qu'il y a des choses pour lesquelles je crois, et je crois que je suis réveillé. C'est lui qui est catholique, ici, il sait pourquoi il est catholique. C'est lui qui est protestant, il sait pourquoi il est protestant. Et puis le pays est laïque, donc on ne peut pas christianiser tout le monde. Le pays est laïque, donc nous prêchons et nous laissons à Dieu de faire le reste. Ce n'est pas à nous d'imposer, comme à l'époque de l'État d'Israël, où la loi était pour tout le monde est en croyant, tout le monde connaît la loi. Mais ici, nous sommes dans un État laïque, il faut comprendre. Lorsque vous étiez dans le... Pas lorsque vous étiez, mais lorsque le réveil a commencé, c'est en tout cas très clair. Pas de politique, pas de loisirs, pas de divertissement, ça risque de nous distraire, on n'ira pas au ciel. Il faut qu'on reste concentré sur la parole de Dieu. Et ça nous a beaucoup aidé aussi. Oui, ça nous a beaucoup aidé, oui. Mais en même temps, on a vu que finalement, on chassait le naturel. Hein. Non, ça nous a beaucoup aidé dans notre marche avec Dieu, tout jeune que nous étions, ça nous a permis... De ne pas nous laisser corrompre par des loisirs, les plaisirs de ce monde. On a marché dans la crainte de Dieu, mais après tout, on est des hommes, on a des imperfections, on a des petites faiblesses, ça peut arriver à tout le monde. Mais la dose la plus importante en nous, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mais après 10 ans, 20 ans, 30 ans, on s'est rendu compte que les vrais rebelles, on les a retrouvés encore une fois dans le réveil. C'est-à-dire ceux qui détruisent les mariages des gens, ceux qui ont pris les parcelles des gens, ceux qui ont menti sur les bijoux des gens, que c'était des serpents. Plusieurs dégâts ont été commis dans l'église et l'église des réveils. Ça peut être des cas isolés. Hein. Ça peut être des cas isolés. C'est pas vraiment que c'est ça même l'église des réveils. Hein. Aujourd'hui, on parle de la pédophilie. Est-ce que tous les prêtres catholiques sont de la pédophilie? Non. Ça, vous n'en parlez pas. Les gens n'en parlent pas. Hein. Moi, ici, j'ai été au petit séminaire. Hein. J'ai été au petit séminaire. Mais c'est des choses que nous avons vues qu'au petit séminaire. On pensait que c'était normal. Mon prêtre, je ne peux pas le dire ici, mais c'est honteux. Ces choses, on les a vécues au petit séminaire. Mais on n'en parle pas. Vous savez, les erreurs des pasteurs, parce que les pasteurs des églises de la veille, leurs noms deviennent un peu de plus en plus grands, des grands ministères, des grandes églises, et leurs erreurs aussi sont plus étalées, exposées. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens qui ne sont pas réveillés, qui servent aussi Dieu dans ce pays, mais ils sont aussi dans des dégâts énormes. Alors, simplement parce qu'ils ne sont peut-être pas très connus. Oui, mais ça n'excuse pas vos erreurs. Ça n'excuse pas, ça n'excuse pas. Bon, au fait, Vous êtes sorti de ces églises pour corriger. Bien sûr. Alors, on se pose la question, comment vous êtes sorti pour corriger, mais vous commettez parfois pire que ceux que vous étiez en train de corriger? Je ne pense pas. Je prends mon exemple, par exemple. Et puis, on n'est pas là en guerre contre l'Église catholique. Ou contre l'église protestante, non. Nous avons fait notre choix d'être église de réveil.
Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat entre nous. Et s'il y a eu des erreurs dans nos vies, dans l'autre émission, je t'ai dit ici que c'est, ça peut arriver qu'on commet des erreurs. Mais j'ai dit tout de suite que c'est des cas isolés, c'est peut-être 5%. Aujourd'hui, l'église de réveil à quel âge? On peut évaluer. L'église de réveil a officiellement, pas le mouvement de réveil. Oui. Le mouvement de réveil date de 1978-79, avec des groupes de prières charismatiques. Mais l'église elle-même, qui est officiellement reconnue aujourd'hui, est née en 2003. En 2003, mais on va peut-être revenir un peu 17 plus. 17 ans. On va dire peut-être, si on parle de mouvement, on est dans 40 ans, 38, 39 ans, comme ça. Mais est-ce qu'on peut évaluer votre participation au développement de ce pays? Si aujourd'hui, en tant que président, le tout premier d'ailleurs, président des Églises des Réveils, qu'est-ce que vous avez contribué? Qu'avez-vous fait pour l'avancement de ce pays? Christian, je suis arrivé à la tête de l'Église des Réveils qui n'existait pas. J'ai été élu d'abord parce que j'avais dit que nous étions trois candidats au départ. Chaque candidat devait faire son discours programme. Et quand moi je me suis levé, j'ai dit que je vous demande de m'élire pour une seule chose. C'est obtenir une reconnaissance officielle de nos églises. C'est-à-dire devenir une église reconnue dans cette nation parce qu'on nous appelait les sectes, les Binzambi Zambi. Et je dis, moi c'est tout ce que je veux. Et ce jour-là, j'ai eu les voix de tout le monde. Même ceux qui n'avaient pas envie de me voter, mais tout le monde avait compris que c'était notre problème. L'église était dans des ghettos, l'église était marginalisée, c'était une église clandestine. Et là, j'ai eu les voix. Je me suis battu. Et en 2003, nous sommes reconnus comme une église officielle, confession religieuse, et par la suite des temps, l'interface de l'État, auprès de l'État. Donc, c'était un pari gagné. J'ai sorti cette église de la clandestinité, de la marginalisation. Aujourd'hui, elle est là. Tous ces combats aujourd'hui, si cette église n'était pas aujourd'hui reconnue, il n'y aurait pas de combats. Parce qu'il n'y a pas que l'église élevée. Au niveau de l'église élevée, il y a beaucoup de regroupements, beaucoup de plateformes, et qui naîtront encore. Mais au moins, on a reconnu à l'église élevée ce pouvoir de représenter les églises auprès de l'État, auprès des tiers. Et ensuite, après ça, j'avais deux projets, deux objectifs. C'était, sur le plan développement, mettre sur pied, avoir une coordination des écoles conventionnées et un projet d'université de la faculté théologique de l'Église des Réveils. C'était mes deux projets. Je dirais que le premier, j'ai presque réussi à le faire. Je peux avoir, mettre sur pied une coordination des écoles conventionnées, primaires, écoles primaires, secondaires, professionnelles. Ici à Kinshasa, nous avons plus ou moins 300 écoles, 2769 enseignants mécanisés aujourd'hui. Est-ce que c'est rien tout ça? Sur l'ensemble du territoire, nous avons pas moins de 3 à 4 000 écoles, pas moins de 6 à 7 000 enseignants aujourd'hui qui sont payés par l'État congolais. J'ai donné du boulot, des familles qui vivent par le salaire des enseignants. Nous avons contribué. Et j'avais un projet, une fois, nous avons rencontré le directeur Nehemi, l'ancien directeur du président de la République, Joseph Kabila. Il y avait moi, général Sony, avec Mukuna et le pasteur Kindomba. Je lui ai dit ceci, monsieur le directeur, au lieu de me donner l'argent, en sortant d'ici, vous me donnez l'argent, peut-être 5 000 à chacun, 10 000, ça ne vaut pas la peine. C'est nous qui profitons, mais notre église n'en bénéficie pas. Je l'ai dit, et mes amis qui me suivent, et même lui, Nehemi Moulania qui me suit, se rappellera. Si nous avons des projets, soutenez nos projets, rendez-nous forts aussi. Il m'a dit, ah bon, qu'est-ce que vous avez comme projet? J'ai dit, nous avons besoin d'avoir des écoles pilotes, des centres médicaux. Il a répondu tout de suite, mais je n'ai jamais su que vous avez ce genre de projet. Amenez-nous les projets parce que nous avons ici un fonds social qui peut aller jusqu'à 100 000 dollars par projet. Donc amenez-nous 4, 5, 6 projets, on verra comment on va vous aider. J'ai amené les projets de 4 écoles pilotes, 4 centres médicaux. Ça vous faisait presque 800 000 dollars que j'ai déposé.
Malheureusement, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, on n'a jamais eu même un franc. Les projets étaient déposés. Alors, vous allez me reprocher que vous n'avez rien fait. Nous sommes des partenaires incontournables de l'État congolais et nous travaillons avec l'État congolais. Nous sommes des églises et des autochtones. Nous sommes mais pourquoi pas vous des avez... églises importées où l'argent vient des États-Unis, de la Suède, de la Norvège. Nous travaillons ici avec le maman maraîchère, les étudiants sans bourse, des fonctionnaires mal payés. Voilà les offrandes de nos églises. Mais il faut nous féliciter. Si, mais qui ne vous empêche pas de vous acheter des maisons, qui ne vous empêche pas de vous acheter des palaces en Afrique du Sud, aux États-Unis, d'être à l'abri de la faim et autre chose. Le ministère, ça paye toujours. Dieu nous récompense. Beaucoup de pasteurs ont des écoles, beaucoup de pasteurs ont des centres médicaux. Et ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous comprenez? Mais par rapport à l'Église catholique, mais est-ce que l'Église catholique l'a fait avec ses offrandes? Est-ce que l'Église catholique l'a fait avec son propre argent? C'est d'abord l'État belge, l'État colonial, qui donne des terrains gratuitement à l'Église catholique, qui construit, qui laisse à l'Église catholique. Et même Vatican, et même certaines familles, moi j'étais au petit séminaire, mais nous étions nourris par une famille belge, parce qu'on avait un prêtre belge qui était là. C'est cette famille qui envoyait à manger, qui envoyait tout. Donc c'était ça l'Église catholique. Oui, mais vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Mais vous canalisez les dîmes des gens par vous-même. Il y a même des pasteurs qui prennent la dîme. Eux-mêmes, ils rappellent même à la chair. Aux gens d'un hôtel, il y a au futa, dîme, non, ça, on le sait, on le voit à la télévision d'ailleurs. Mais là, j'essaie quand même de vous faire comprendre qu'il ne faut pas... On a 15 ans. Et en 15 ans, ce que beaucoup de nos églises font aujourd'hui, il faut les féliciter. Ils ont des écoles, ils ont des centres médicaux. Nous avons 15 ans, 7 ans, 17 ans d'existence. Mais vous n'allez pas comparer cette jeune église aux églises qui ont fêté les centenaires. On veut bien, mais pourquoi? Les cinquantenaires. Pourquoi en 17 ans, les pasteurs deviennent plus riches que l'église elle-même? C'est ça le problème. Je ne sais pas de quoi vous parlez, les pasteurs plus riches, parce que les pasteurs, comme je suis habillé en costume, c'est mauvais, c'est un péché. Non, mais ça c'est... Si je roule en voiture, c'est mauvais. Non, mais pourquoi vous allez rouler en voiture alors que votre église n'a pas de véhicule? Mais d'abord, moi, le véhicule que j'ai, ce sont les membres de mon église qui m'achètent. Vous comprenez? La plupart de tous les véhicules que j'ai, ce sont mes fidèles. Est-ce que vos fidèles peuvent dire ça? Mais venez à l'église avec le micro. Non, est-ce que vos fidèles peuvent dire que nous aussi, c'est nous, c'est entre nos frères? Pourquoi tout le don doit être canalisé au pasteur? Le pasteur, c'est leur bénédiction. Le pasteur, c'est l'homme par qui Dieu passe pour les bénir. C'est ce que vous leur avez dit. C'est ce que nous disons, c'est ce que la Bible dit. Dieu dit à Moïse, choisis 70 personnes. Et amène-les dans ma présence. Et je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le reposerai sur eux. Donc, c'est les leaders. Les leaders, Dieu prend la faveur, la grâce qui est sur les leaders. Et Dieu répand cette grâce sur les fidèles qui bénéficient de plusieurs manières. Les fidèles, nos fidèles sont témoins. Nos fidèles ne se plaignent pas comme vous les journalistes, vous voulez les faire croire. Nos fidèles sont très fiers de nous. Oui, mais ils sont contents de nous. Ils ne suivent que ça comme message. Nos fidèles, il y en a qui sont venus stériles dans nos églises, qui ont pu avoir des miracles de conception. Il y en a qui sont venus au chômage et par nos prières, nos bénédictions, qui ont connu la promotion. Et quand ces gens rendent grâce à Dieu pour tout ce que Dieu leur a fait, en donnant au pasteur une voiture, en achetant au pasteur une maison, où est le problème? Le problème n'est pas ce niveau, mais le problème, c'est pourquoi la vie matérielle, pourquoi la vie matérielle de vos fidèles reste toujours en stand-by. Mais je vous dis, il y a des maraîchères qui ont fait 14 ans en train de vendre la braise, 14 ans, elles ne vendent que la braise, mais elles donnent des dîmes, elles donnent des offrandes, alors que le pasteur qui était venu sans voiture, il en a aujourd'hui 4, 5, 6. Il y a une veuve dont les enfants ne vont pas étudier, mais tous les enfants de pasteur étudient aux États-Unis. C'est de ça qu'on parle, en fait. Mais je comprends qu'on ne se comprend pas. Je pense qu'on ne se comprend pas. Je vous dis, Christian, que nos fidèles sont fiers de nous. Moi, dans mon église, je connais des gens qui sont venus. Aujourd'hui, directeur général. Mais quand il est venu à l'église, il ne l'était pas. Et cette personne peut m'acheter une voiture pour aujourd'hui m'offrir des choses en reconnaissance envers Dieu. Vous n'allez pas dire à cette personne-là qu'en 15 ans, c'est un faux pasteur parce qu'il a des preuves que le ministère de cet homme m'a béni. Dieu est un Dieu de principes aussi. Tout le monde ne respecte pas aussi les principes que nous enseignons. Faites ceci, faites cela. Tout le monde, ceux qui respectent, ceux qui obéissent, vivent la main de Dieu. Dieu marche sur les principes. Dieu marche sur sa parole. Dieu est lié à sa parole.
Nous prêchons la parole, mais cela ne veut pas dire que tout le monde obéit à ce que nous disons. Mais ceux qui obéissent, ceux qui pratiquent, lui-même dit, si vous obéissez et pratiquez mes commandements, voici les bénédictions qui se répandront avec, dans vos vies. Mais ceux qui n'obéissent pas, qui viennent à l'église, qui n'obéissent pas, qui viennent à l'église mais qui ont une double vie, qui viennent à l'église mais qui ne croient pas, ils sont nombreux aussi. Vous comprenez? Vous n'allez pas accuser les pasteurs pour ça. Alors, revenons, c'est vrai qu'on va parler du message maintenant, avant de prendre notre sujet. Pasteur, archevêque général, est-ce que le message que Dieu vous a donné, quand je dis vous, pourquoi je parle de vous? Parce que vous êtes le père de l'Église aujourd'hui. C'est incontestable, tout le monde le sait. Vous êtes le père de l'Église, donc vous avez cheminé avec l'Église, vous avez vu comment ça s'est passé. Et vous êtes convaincu que les rapports que je vous fais, vous l'avez déjà entendu, je ne suis pas la première personne à le dire, ça se répand comme ça. Est-ce que le message de Dieu est réellement dit et donné aux fidèles, ou les pasteurs l'ont modélé selon qu'ils sont dans leur position? D'abord, il y a une chose que vous devez comprendre, Christian. Nous ne sommes pas comme l'Église catholique, où le même message est prêché à Rome, le même message est prêché à Kinshasa, le même jour, et le même message. Non. À l'Église de l'Éveil, chaque pasteur est un messager de Dieu, avec un message à lui particulier. Albert Kantianza, si vous demandez à n'importe qui, il prêche, qu'est-ce qu'il prêche? On vous dira, c'est l'homme du Saint-Esprit, c'est l'homme d'onction, c'est l'homme de la foi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une culture générale sur la Bible. J'ai une culture générale sur la Bible, mais j'ai une spécialité. C'est ça ma grâce, c'est ça mon appel. Même en médecine, il y a des spécialistes, des orthopédistes, vous savez, il y a des médecins généralistes, mais quand il y a telle situation, il faut voir l'oreille parce que c'est sa spécialité. Et c'est ça même la compréhension de la Bible. La Bible dit, il a établi des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme docteurs, pasteurs, évangélistes. Donc tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas pasteur. Et même ceux qu'il a établis apôtres, ils n'ont pas tous le même message. Ça s'est différencié. C'était quoi le message du Christ lui-même? Le Christ est venu avec un seul message, l'amour. 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 Alors est-ce que vous aujourd'hui... Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu de votre pensée. Et aimez votre prochain. Aimez aussi vos ennemis. Et la repentance, qui l'a amené? C'est Jean-Baptiste qui est venu avec la repentance. Très bien. Et Paul a amené quel message? Mais Paul est venu sur l'organisation en fait, de l'Église. Hein. Paul est venu avec l'organisation de l'Église, comment marcher dans la sanctification, dans la crainte, dans les épîtres. Quoi. Et vous, personnellement, votre message de la foi, du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut avoir le contenu de ce message-là? Quelle est l'importance de ce message-là dans la vie chrétienne de quelqu'un? On n'est pas sauvé, on est sauvé par la foi. Et sans la foi, on ne peut pas croire au salut. C'est quoi la foi? La foi, c'est la ferme conviction, la ferme assurance qu'on a de Dieu. C'est par la foi que je crois que Jésus est mort pour moi. C'est par la foi que je crois à l'œuvre de la croix. C'est par la foi que je crois que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Et sans cette foi, la vie chrétienne ne vaut rien. Est-ce que la foi n'a pas d'autre dimension en dehors de ce que vous avez dit tout de suite? Mais ça, c'est la première dimension. La première dimension. Donc, quiconque croit sera sauvé. C'est ça, ce que dit la Bible. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit, quiconque a la foi, soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'un païen peut avoir la foi? Mais s'il écoute l'évangile. Parce que la foi vient en écoutant la bonne parole. L'évangile. Si quelqu'un écoute l'évangile, nous tous, nous étions des païens. J'étais païen, j'étais un jeune homme, je me suis converti à 20 ans. Et avant, à cet âge-là, je faisais tout ce qu'un jeune peut faire. Mais c'est quand j'ai écouté l'évangile de Jésus, j'ai écouté l'amour de Dieu, j'ai écouté la bonne nouvelle, je me suis converti. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je lui ai donné mon cœur, j'ai accepté de changer ma vie. C'est ce que nous appelons, nous, dans l'église de réveil, naître de nouveau. Born again. C'est-à-dire, naître de nouveau. La vie change, les comportements changent, le caractère change, la mentalité change. C'est une nouvelle vie, au fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la foi, l'espérance et la conviction? Parce que celui qui a la Bible, il dit la foi est une ferme assurance et l'espérance des choses qu'on espère. Quand on a la foi, naturellement, l'espérance arrive. Et la conviction? La conviction, c'est la foi, c'est ça même la ferme assurance. On est convaincu, je reste, Dieu demeure convaincu que ce en quoi j'ai cru,
C'est comme ça, c'est parce que Dieu ne mange rien. Quand Dieu dit à Abraham, tu auras un fils, c'est un vieillard. Et Abraham attend 25 ans pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Voilà la conviction. Il a la ferme conviction que ce que Dieu lui a dit ne changera pas. Il a cru en cela. 25 ans après, l'enfant est venu au monde. Alors, pasteur, dites-nous un peu, quand quelqu'un attend avoir un enfant et qu'il n'a pas, quand quelqu'un est malade, qu'il attend une guérison, par exemple, quelqu'un est chômeur, il attend un travail, quelqu'un a des problèmes de divorce, mais bon, il attend que la paix revienne dans sa vie, qu'il passe bien les choses. Est-ce que, quand il a ces choses, par le biais d'une prière, sa vie est sauvée, ou il faut, on peut tout avoir et votre vie n'est pas sauvée? On peut tout avoir et ne pas être sauvé. Avoir tout sur la terre ne signifie pas le salut. Jésus a dit, d'abord, le royaume des cieux. Jésus parle du royaume des cieux, c'est-à-dire, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est notre éternité avec Dieu. Où passerons-nous notre éternité après la mort? Nous devons nous préparer à ça. Mais alors, au-delà de cette éternité, je vis sur la terre des hommes, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travailler, je dois aller à l'école pour finir mes études, avoir le diplôme, avoir le travail, me marier, avoir les enfants. Ça vient en deuxième position. D'abord, le christianisme, d'abord, c'est le salut. Alors, pourquoi parler du miracle comme si c'était ça, la pierre angulaire de l'Église? Non, c'est peut-être... Est-ce que vous m'avez déjà écouté prêcher? Pas vous, mais je parle d'Église de réveil. Pas vous. Mais justement, je suis Église de réveil. Oui. Je suis Église de réveil. Il y a qu'un jour tel, il y a son conseil à Boué, les 24, du 24 au 26, parle... Dieu va agir. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer la main de Dieu, son agissement? On prend rendez-vous avec si, ça? Si quelqu'un a un don de miracle, vous n'allez pas l'empêcher de demander aux gens de venir. Il va programmer ça aussi. Et Dieu agira tel pas, jour, tel non, jour, tel il jour. Il ne programme pas, mais il est conscient qu'il a un don de miracle. Moi, je connais des gens qui ont des dons de miracle. Ou dans leur réunion, il ne sait pas ce que des miracles. Vous avez fait plusieurs fois déjà des miracles comme ça. Je ne fais aucun miracle. Dieu fait à travers moi. Bon, disons-le comme ça. Oui. Oui. Moi, je ne fais aucun miracle. Je n'ai aucun pouvoir de faire des miracles. Mais je suis convaincu que le Dieu que je prêche, c'est un faiseur de miracles. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez toujours... Bien sûr, bien sûr. Dieu, il agit la toujours. La Bible dit, il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez changé pour que Dieu ne fasse pas des choses bien? Dieu continue à faire avec moi. D'accord. Moi, je vois les miracles jour le jour dans ma vie, dans mon ministère. Donc, on retient que le plus important, ce n'est pas les miracles charnels, non, mais plutôt la conversion. Non, le plus grand miracle, c'est la transformation de la personne. D'accord. C'est la conversion, c'est la nouvelle naissance. C'est le plus important. Alors, allons-y maintenant sur la question polémique d'aujourd'hui. À partir de quel moment l'Église des réveils est devenue politisée? À partir de quelle période exactement? Avec moi, oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai politisé l'Église au début, à un moment donné. C'est vous qui avez politisé? Parce que je suis le premier président. Donc, c'est dans mon règne que j'ai pu faire la campagne du président Kabila. Joseph Kabila. Que vous regrettez aujourd'hui? Je ne regrette pas, j'assume. J'assume, si l'État refait, je réfléchirai deux fois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre souhait en réalité? Qu'est-ce que vous voulez? Que ce qui a été fait dans le temps continue? Non, parce que j'ai eu le temps de me repentir, de demander aux gens de ne plus politiser l'Église et de rester une Église neutre au service de la nation. Pourquoi vous le faisiez alors? Quelle motivation avez-vous? Non, la première fois, l'unique fois où je l'ai fait parce que le jour où le président Kabila, l'ancien président Kabila, nous a reçus, nous lui avons dit, si vous nous reconnaissez officiellement, vous pouvez compter sur nous pendant les élections. Nous vous accompagnerons, nous vous soutiendrons. Nous étions tous là, tous. Et c'est moi qui avais parlé au nom de tous. Est-ce que vous vous êtes entendu comme ça avant de... Bien sûr, parce que nous tous, c'était notre souci, la reconnaissance de nos églises. On souffrait de ça quand même. Les sectes, on souffrait de ça. On n'était jamais consulté par le gouvernement. On n'était jamais associé aux choses de ces pays. On pouvait appeler d'autres confessions, mais pas nous. On souffrait de ces choses. Et alors, on voulait absolument la reconnaissance. Et Joseph Kabila était là, on lui a dit, si vous nous reconnaissez, comptez sur nous aussi. C'est comme ça qu'une fois qu'il nous a reconnus en 2003, en 2006, j'ai fait sa campagne. Alors, je voudrais revenir en Lingala cette fois-ci. Mm-hmm. Donc, tout le bâcure, il y a celui-là qui n'a pas de pasteur,
déjà avant que ceux qui ont mis la PCBSO personnalité, ils ont fait la campagne pour l'aïe. Ils ont dit bon, vous avez déjà bon. Ils ont dit que vous avez 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 condamné parce que c'était moi. Mais est-ce que à partir de 2003, tant que vous avez eu personnalité, en 2006, est-ce que vous allez dire la même chose? Non, c'est-à-dire que je suis en 2006, parce qu'en 2006, on a sali campagne, et pour la Batouming, je suis en Kabolité. L'église n'a plus à réveil, pas te bêler, pas l'ombre qui. Même dans quatre églises, j'ai connu des fidèles qui m'ont dit clairement, papa, on ne vient plus ici, on ne viendra plus parce que, puisque ça va être MLC, le Golayo, Pony Kabila, on ne viendra pas l'ombre église. Je ne pouvais plus aller à l'extérieur du pays. La diaspora, au Kanelanga, en Afrique du Sud, ça a 10 ans, mon abandon, mon abandon, moi, année passée seulement, 10 ans après, parce que tous les combattants, pour eux, j'étais un corrompu, j'étais un acheté de Kabila, donc je ne pouvais pas mettre mes pieds. Tous les autres pasteurs pouvaient voyager. Et on souffrait qui, moi? J'en ai souffert. 13 ans, on a prototé. 10 ans, comme Afrique du Sud. C'est comme ça qu'en 2011, on a dit non. Je préfère protéger l'Église et protéger le ministère. Au salaki ni misiko, au salaki contre campagne? Na sale campagne, t'es. Na sénaïe psychabadus, na sénaïe pasteur, mais c'est bon que cette fois-ci, on n'aura pas de candidat. Ça m'a quand même coûté cher. De l'autre côté. Ok. Mais alors. Ça a été pris comme une raison. Bon, ce que tu as dit, tu as dit que 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 tu Alors, reconnaissance. Les autres communes en situation Oyo, Sonny Kafuta, aïe après Oyo, yo présenté le roi dauphin na Oyo, le bique yéna aux dauphin. Mais tu comprendre te, yo autorité morale, na dauphin, boukabouane, boubébani. Autorité morale, yo autorité morale, au boi, boukabouane na dauphin na Oyo. On le dit de France, il y a eu ma liberté et belé, et si m'batté, alors les gens ont raconté tout ce qu'on veut raconter. Tu le dis, ma version, il y a solo. Qu'est-ce qui s'est passé entre yo na Sonny Kafuta? Je suis un peu de Konangaï. Même si on a une émission à Eming, à l'objet qui ne se couvre ou bien ni. Mais, et pas Nangaï, Aza, n'a pas souvenir de la relation avec ça, et bambou le belé. Gattant, on a pour une de Sonny. Na kenek bien na motema moko. Na kenek te gena esprit ya bozonga un jour. Na kei. Na sel quand même 15 ans na RC plus 4 ans de on a les mille, c'est presque pas 19 ans. C'est fatigant, c'est épuisant. Na zek na besoin na mi pesa na makam nanga ya ministère personnel na église. Na ponier ba te belé entre ba boyaki. Ba télé mena kinde osoni. Même ba électeur nions na sali campagne na na sali campagne na imposé bango c'est mon dauphin faut pas bonner et le kelenga bébé ni bando boy point non wana koloba wate parce qu'on a pas raison de bamba zokoloba elinga igate mais ngana bi c'est mon frère c'est mon ami et je pense que yenda zo mérite après nga azu baka ina msula zalaki je devais battre campagne contre ma candidat wana tant que tu as le pouvoir tout ça les investiture ma comme je suis OK malam. Ça fait une année et demie qu'il est là. Bah, le but d'institution est Zangaï. Ngaïte,
de Christian Nazolobawa, Moutoye na makamba d'institution sonné sa pasteur Kindumba. Kindumba Moutoye na makamba d'institution y a pasteur sonné. Aye na bureau nanga, accompagné na ndeko bravo. Balobi nanga, pasteur sonné a zo kiseglise sonné. Babilo kalobi ki na mboulumbu, na zaboye, na ouese, na kikoso, na tikaka masuba, église, sambwe. Alors, ndeko sonné, ndeko Kindumba a prononcé expression Oyo. Il est dans l'incapacité de continuer à diriger l'église. Dans mon bureau, bravo à côté, il est en face de moi. Bilo wala zoloba soko Kindumba zanga d'accord te, asenga émission, yo nanga tovandi, na loba ina misu. Na tuniye question, a ozo senga, balon wala ndeko sonné, vous allez le remplacer par qui? Et j'ai posé des questions parce que na yebaki. À répondre à la question, on a été, ndeko bravo à l'Oba. On a dit bravo l'Oba, bravo Bazui. À l'Obi, après c'est l'argument, pourquoi Sonny Falongo. Pour conclure, Jean Bosco peut le remplacer. Et je pose la question à Jean Bosco, Oyoki bravo l'Obi, n'y a pas lui, le quoi bravo l'Obi, n'a pas d'accord, sur Sonny Falongo, on va remplacer. Il est venu solliciter le soutien chez moi. Parce que, et où tu as commis Sonny lettre, avant y'a pas là. A commis les lettres comme c'est un des fondateurs, a commis les lettres à l'Obi, Nazo Senga a convoqué ma fondateur, tout va tout évaluer, marche, l'église. Et Ndeko Sonné a beau y répondre, Ndeko Sonné à l'Obi, n'a pas répondu, c'est parce que, on a eu Ndeko Sonné à l'Obi, on a eu la qualité de convoquer, comme il a eu la qualité de utiliser papier en tête. Donc je ne te répondrai pas. Ça, c'est lui qui me l'a dit. Est-ce que mon acquis lettre? Dans mon lettre. Lettre, il y a comment dans mon acquis? Mais ouais, réponse. Réponse, c'est ça qui est verbal. Ah, d'accord. Alors, c'est comme ça qu'il est venu me voir. Sur base à lettre. Que tu as comme il y a répondre. Bouillé. Alors, je pense qu'on ne peut pas laisser l'église. Nous avons négocié un falon. Nga, il a conseillé. Il a dit, je ne sais pas comment il y a. Bosolo là. Il a dit que démarche, il a m'abêté. Il a expliqué bien fondé la démarche. Ah, merci. La Kate. Deux jours après, on a habité au Sololi, on a fait comprendre. Et puis, on a autorisé, on a fait la réunion, on a sanglé. On a bien quelques fondateurs, on a fait la réunion, on a sanglé. Mais on a sanglé, puis on a fait la réunion, et pas on a fait alors, on a fait la même la conclusion de la réunion. Authentique, c'est ce qu'on a fait. Tu as d'accord, ce qu'on a autorisé, ça va. Et puis, nga, naza suna mokamba, église de réveil, nga, sena bimana, nga. Mais ce qu'on a autorisé, que naza la réunion, nga, je considère que c'est une réunion officielle, je vais participer. A convoqué quelques pasteurs. Bazali en vie. Bazali comme moi, 9 ou 10. Mais yo, bengaki, soni kafuta, t'es pour vérifier ma propos. Na bengaki, t'es. Ogo tu nga moutou, nga, pourquoi na bengaki. D'accord. Très bonne intervention. Bakou fondateur, baye. Je suis parole, Jean Bosco dans ma camoufle. Il lui reprend les mêmes paroles devant ses fondateurs. D'accord. Est-ce que bravo, Bazaki n'a pas dit réunion. Ok. Alors, lui, Sonny doit partir, il est dans l'incapacité de diriger. Nous sommes comme le pasteur Richard Koubemba Tounye, mais tout le monde a pasteur Sonny pour Nani. Bishop m'a passé, Baoli m'a lobby. Pour n'angai à Golonga, pour n'amakami balé, immoralité, n'a manque d'éthique. N'ga n'a su parole. N'a bien n'a assisté à la réunion, Oyo, parce que, Jean Bosco Lobi a signé à moi, pas à président, président accordé. Mais n'gai, n'a l'intention qu'on assiste à la réunion, parce que n'gai, vision n'a n'a pas su. N'a s'en a bien RC, n'a l'ingma comme RCT. Je veux relancer notre plateforme, la Lemirk, qu'on a n'a formé un jeune pasteur. Je vais m'occuper des jeunes pasteurs. Et je suis très avancé dans mes contacts. Ma cambone aligné en mode. Devant tout le monde. Les témoins sont là. Bishop m'a passé qui est en face de moi a résisté. A vu, non, je ne suis beaucoup salamoté parce que je suis beaucoup salamoté. Deuxième intervention, c'est Kindumba. Qui dit j'appuie Bishop m'a passé. Troisième intervention, bravo. J'appuie Bishop m'a passé. Réunion salami, conclusion. Tout réunion par fondateur et Salomon. Bah, il y a ici Jean Bosco. Le colo, le mec, il a opé ses conclusions. Mais là, il y a une conclusion que tout ça a besoin, le loto dimanche après-midi,
avant dimanche, Moussousou, dans la semaine, Abeng Abiso, Tokutana, Tosololanae. Voilà la démarche. Kingdom Albi, d'accord, n'a coupé sa compte rendu à Réunion. Tout ça dimanche après-midi. Abeng et mardi. Solonandeko. Nazobenga Zozoate. Obengi Sonika Futa. C'est Abeng et Jean Bosco. Jean Bosco, ok. Au Solonandeko. Abi Nazobenga Zozoate. Jeudi, Nabengi au Solonandeko. Nazobenga Zozoate. Vendredi, Yemta Benga. Papa na salanini. Azozoa nga tenga na epshe. Ksa la SMS. Ksa la rapport. Na SMS. Ogo akotanga. Pe sa y rapport a réunion. Tu komi vendredi. Bande kwa lubagi na oke avant dimanche. A benga bango. Tu komi nja vendredi. Tu kan na deux jours. Ksa la SMS. Ah oui, na kanisa ki yonte na zosa. Samedi na tonga benga. Lubi na sa la ki SMS. A rappele nga. A lubi na nga ko luka ngayi. Ça c'est la dernière fois qu'il y a un déboukine dans ma tosolo. Depuis samedi. Tu komi dimanche. Lundi, groupe Wana Baye, Panabaye, mais tout comme lundi, semaine les qui a bien bisoté. Tu es au quand même, semaine où il y a un bisoté solo là. Dans le binon, Jean Bosco a dit il y a un bien bisoté, a comme les qui SMS. Tout est la réaction. Dans le binon, tout le monde a dit il y a un bisoté, bisoté, tout a réagi, tout a assumé la responsabilité dans le binon. On m'accuse de tireur de ficelle. C'est encore moi qui interdis. Il a dit non, 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 ne faites pas ça. Bon, comme il a une deuxième lettre. Le col qui nous nomme comme il a une première lettre. Bon, comme il a une deuxième lettre. Bon, comme il a une subsidiairement à la première lettre écrite par notre frère. Mais si tu as besoin de coucouter, tu as besoin de la. Tu as dit bien, merci beaucoup, archevêque. C'est ce qu'on va faire. Ils vont faire la lettre. Bravo, rédacteur principal. Il y a lettre avec Tchiboumbou, Bassali, Jean Bosco signe, Tchiboumbou signe, Bishop m'a pas sa signe. Va vous déposer lettre lobby. C'est ma démarche que j'ai proposée, non? Pour ça, la brutalité était l'autre. Allez encore dans cette démarche publique, allez vers votre frère. Au moins, Joubos en a raison que, tu sais qui démarche, j'aime ta yamba qui me saute. Il y a un tireur de ficelle après ma démarche publique. Lobby Nango, évêque Théo, a qui pas déposé lettre. Ça, c'est ce que lui dit. A comme pas général Sony, la table on a la réception, à mon général Sony, na bravo Bavandi, na quatre églises. Tant qu'on a déposé lettre pour m'accuser de réception, à mon pasteur bravo à quitté. C'est quoi ça? Non, on a déposé correspondance. Non, ça, c'est quand 15 ans, ça. Lettre au Yakoumi, rédacteur. Oh. Voilà film. Ça c'est quand 15 ans. Tu vas vendre des baroyoka. Ça c'est quand 15 ans. À Bengani. Allez, va-t'en. Amène ta lettre. Évêque Théo Zulette. A qui met Matina Moto. Mbam. A Zongi. Et pas Bande Koba Pesa qui a mis Bengani. Bravo. Bate Swagangi. Bravo. Bengani. Mais c'est bravo qui a écrit selon l'explication. Bien sûr. Ok. Lui est bon. Il y a des gens qui ont la parole, qui ont que gens qui ont été, qui ont été, on continue. Oui, il y a des gens qui m'a passé. M'a passé, mais il y a quoi? Il n'y a pas le baki. Il n'y a pas le baki, ok. Alors, les autres viennent me voir en groupe. Au conseil, il y a surtout ça la démarche. Il y a pas l'anzan, mais tout comme une deuxième lettre. La lettre est refusée. Mouda Bengani, Théo, bravo. On a vu, non. Bravo, qui a écrit, qui a rédigé la lettre. Mais bien, oui. On a joué le téléphone. Bravo Zab, Nazesina Binan a besoin aussi. Bravo arrive. Je raconte des faits réels. C'est pas possible. Bravo arrive, et quand il arrive, il est avec une dombe. Tovan, je crois, 7. Monsieur Bravo, je ne peux pas comprendre. On a proposé une lettre comme une procédure publique, pas comme la générale Sony. Mais tu as empêché de déposer la lettre. Pourquoi? Tu peux m'expliquer parce que je ne comprends pas. En plus, tu as rédigé cette lettre avec Tchiboum. Oui, j'ai empêché, parce que je connais le tempérament de Sony. Dans mon équipe, lettre, on a créé ma cambou. Il y a un empêché. Mais comment? Parce que la lettre contenue, c'est que, bah, c'est un président, bah, c'est un président, bah, solo, là. C'est quoi? Président, au Silicapo, on a contenu, là, qui est à Koutana, bah, ou non? Parce que moi et le pasteur Bosco, nous sommes déjà en train de les convaincre à démissionner. Nous lui montrons déjà que l'atmosphère les a bien été pour aller diriger, toujours travailler et pas démissionner. Ben, ne sont pas gangues, oh, ma
Alors, tout comme il est, démarche, yo comme il se. Et puis Bosco l'appuie. Oui, oui, je suis d'accord un peu avec Bravo. Là, il passe de Bosco. Mais tu as signé la lettre. Donc, ça dit une autre démarche parallèle pendant que Bino Bosa va démarche Moussou. Bon, moi, la démarche Moussou. Est-ce que Bobaï qui va travailler pour démissionner avant que vous commencez à l'être? Oui, bon. Ça, c'est pas comme ça, le c'est comme ça que les amis vont dire après Christian. Bon, archevêque, monsieur Togo Assumé, tu es un membre effectif. Nous allons nous prendre nos responsabilités. Mais Bakenda, non, moi, n'a pas en salle de réunion où je n'étais pas associé, mais j'étais bien au courant de ce qu'il faisait. Dans les bains, la déclaration, il y a suspension en général, sauf que va suspendre crise et côte. Voilà, bravo, pasteur Kindomba, côté de la banque. Bon, moi, on a côté de ok. Bon, moi, on a souhaité. On a souhaité. Et puis, tant que Crisone est bandit, mais bravo, continue à venir. Il était avec les autres. Il me dit qu'on a la lettre. Il me dit qu'on a la lettre. Il me dit qu'on a la manuscrit. Il y a PC pendant la crise. Mais il est là-bas. Mais là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on a la lettre? Oui, parce que tout ça, mais est-ce que Yomou Benga qui se dit que Benga qui était parce que ma rapport n'a pas été. Il s'est souvenu depuis un moment. Tu vois, ma rapport n'a pas été. Même temps, on a un peu de tout le monde va me tromper, je ne vais pas parler. Bah, parce que déjà, par rapport à bien. Mais il y en a d'offres par rapport à bien. Par rapport à bien, pour une des raisons, par exemple, nous connaissons beaucoup à Mbakinga. Alors, tant qu'il y a Yuki qui me connaît beaucoup à Yambinga, à Silikaki. Et puis non, il y a sous-président, à l'Obinangate, mais à Benga, il y a une réunion, il y a exécutif. Quand il y a sous-président, mais il va là-bas, c'était mon audience, c'était l'audience de l'église de réveil. Il y a qui, il y a un billet. Donc, il a abus de pouvoir, usurpation de pouvoir. Pourquoi? Pour des choses privées. Qui n'avaient rien à voir avec l'église. Qui n'avaient rien à voir avec l'église. On n'a même pas parlé de l'église de réveil. C'est moi qui ai demandé cette audience. Pour l'instant, on a présenté ma cam, Nazara Guinamo. La qui, le soleil de ma cam, moi. Ma boue de Guinée. Ma cam, n'a pas privé. Okay. Non, on va la TV, Christian. Ok. Alors, Ndekolanga s'est pelagité. Non seulement à s'arrêter, à se plaindre, il a même écrit une lettre au président de la République. J'ai vu la lettre. Objet, autoproclamation, abus de pouvoir, usurpation. A comme il y a au président, copie pour l'information d'un premier ministre, d'un ministre, d'un confession religieuse. On voit que quand 15 ans, un archevêque général, les autoproclamations à Emogo. Un abus de pouvoir. Et ça, ça détruit nos relations. Cette lettre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi bien qui était dans mon monde? C'est vrai. Dire que la CPLA qui n'a pas été dans le. Tu peux avoir raison. Pourquoi la salle qui a été? Tu peux avoir raison. Mais, la chef a confessé ma bien à Inga. La chef a confessé, je vais inviter à Inga. Mais dans tous la lettre, il y a un déconnant Sony. Qu'est-ce qui se passe entre vous? N'a pas une explication. L'audience, on est qui est en Naïbi pouvoir ou appui. Mais est-ce que vous avez appris à vous rencontrer tout sur l'anabino? Vous avez appris. Aïa, Awa, tout sur l'anabino. Vous avez un archevêque, Awa, tout sur l'anabino, tout se met d'accord que l'obi, tout coûtera tout sur l'anabino. Donc, rendez-vous pris, tout coûtera l'obi. N'a qu'il. Le soir, c'est le kimbanguiste qui m'appelle, Elébé. Mais il dit, cher frère, je t'appelle pour te dire que finalement, l'évêque général Sony dit qu'il ne viendra pas à Zanamatanga. Nous, on a eu à Koufi. Donc, il n'est pas prêt aussi pour la rencontre. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et ça, je pense que Kindomba et Bravo ont profité de cette situation, sachant que Batumbalé, communication, ça se met relation, ça se met on lui dit des choses, et quand ils sont avec nous, ils disent aussi autre chose, et ça envenime. Mais voilà la situation. Quels sont vos rapports avec Kindomba aujourd'hui? Mais parce qu'il est parmi les gens, bon, ça va à propos diffamatoire contre un gars. Il a rejoint Sony pour dire autre chose là-bas, que quand 15 ans, il a dit tout le monde. Au fait, il y a la génération Sony, dans l'endroit, parce que j'essaie de préserver mon cœur. Je n'écoute pas, j'apprends par les gens. Bon, bravo. Mais ils sont tous ensemble en ce moment. Ils sont à côté de Sony comme les gardiens, les anges. Mais je pense que le général Sony, s'il me suit,
Il doit faire très attention avec. Parce que c'est eux qui voulaient sa destitution, pas moi. Là, c'est la loi. Là, on n'a pas sa raison à péter. On ne t'a pas jamais que le corps de Bongo Nani. Donc, comment on appelle l'actuel président Dodo Kamba. Quels sont vos rapports avec lui? Dodo a communé Nénine. Tant que crise ou en est salami, tu vas suspendre Sony, va communé ministre. Le secrétaire général de la justice à prendre acte. Il y a suspension. Évêque général Sony peut accommer le secrétaire général pour dire qu'ils n'ont ni qualité, ni mandat, il faut suspendre. Crise s'est installée. Le secrétaire général a convoqué les deux parties. Botindela, trois délégués, tout solo. Baillé. Évêque général Sony a Tindak 5. Quand il y a ma place, il y en a 3. Premier jour, ils allaient en venir presque en main devant le secrétaire général. Parce que chacun a sa volo boy a ko linga volo. Ma soule le kai bien de. C'est que des gens n'ont pas tout coûté à l'obi. L'obi t'a embaillé, pas soule, pas soule, pas soule. C'est que des gens n'ont pas eu bango. C'est crise yo, et ça n'a pas eu kata mouté. L'okola, la loi, régissant les aspects de l'obi, que c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Je vous propose de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, maintenant, dans le plus bref délai, pour que nous puissions régler la crise. Parce que seule l'Assemblée générale qui est souveraine et qui peut régler la crise. Mais je ne vous impose pas date. Nasengi, les deux parties, Bokende, vous proposez une date consensuelle. Bakéi, comme des grands garçons, deux jours ils ont travaillé, bah trouver la date, bah sali procès verbal, bah légaliser procès verbal, il y a la date. Il y a l'Assemblée générale extraordinaire, bah, il n'y a pas le secrétaire général qui les a félicités. Mais en tout cas, bravo. Il a dit, mais moi, vous avez reçu la pamba, vous avez bien la pamba, vous avez l'accès à Mikolo. Sur base, il y a procès verbal. On a lancé maintenant l'appel à la province de Bissau, Yosubaya, parce que l'Assemblée générale est allée. Maintenant, il se pose un problème. Dans la discussion de Bango, qui convoque? Bah toi, Sony Balobi, non, c'est lui le président. Les autres disent non. Pour nous, il est suspendu. Il est mis en cause. Il ne peut pas convoquer. Nos statuts disent que le secrétaire général peut convoquer. Les deux parties se mettent d'accord. En disant d'accord, le secrétaire général va le faire. C'est comme ça que le secrétaire général a commencé à appeler tous les provinces, parce que c'est lui leur patron dans l'administration. Younes Boya, Assemblée générale, ils ont telle date. Mais il paraît, je dis bien il paraît, que tant que vous avez un rapport de l'organisation, que vous avez signé, vous avez signé ça, secrétaire général, il paraît dans la réunion, vous avez traité de mauvais négociateurs. Comment il y a un président, Bondima, qui est secrétaire général, signé? Comme ça, Sony a dit, si je ne signe pas, lui aussi ne signe pas. Pendant ce temps, le jour avance, pendant qu'il y a une assemblée générale. On arrive à deux jours. Groupe, on se soit avec le secrétaire général pour lui dire, mais de quoi l'ingo signé, on fait quoi? Le secrétaire général écrit, il dit, je prends acte sur base d'un procès verbal non légalisé, date consensuelle, alors je prends acte de ces assises et j'autorise la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Tant de vous soigner, je vois à mon lettre, un jour avant, il réagit, il convoque. Une assemblée générale à Tchénabadat, où il parle de 18 ou 20, quelque chose comme ça. Confusion continue. Il le fait un jour avant, toutes les professions étaient là. Tous les membres effectifs au Bakouzoual, parce qu'il m'a eu invitation. Que faire face à ces dilemmes? Pour la majorité des membres effectifs, tu en as procès verbal, signé par les deux parties, donc c'est demain. C'est comme ça qu'Assemblée générale Louane Salamaki n'est pas y wapi dodo aiko lukangai. Dodo aiko lukangai, na yoki qu'Assemblée générale les ali, nan a besoin, nan a la candidat. Mais pourquoi il faut lukayo? Alors que yoshe longo de zena makambwa. Pourquoi? Parce que na longwa, mais yoshe kame archevêque. Na kame archevêque général, na za autorité épiscopale. Bah, il est vraiment en rang et autorité épiscopale. Oh, Sonia Lobi qui est autoproclamation. Ouais, mais il y a qui résolution et assemblée générale. La même assemblée générale, où est Ponaki, c'est la même assemblée générale qui m'avait élevé, main levée devant tout le monde, qui sont d'accord, tout le monde avait levé les mains.
bon qui va le dire qu'il y a toujours tchad de dos au tchad de dos dans ton aïeau tant de dos pour la tuninga mais tchad de dos tu dois aller convaincre la tournée. Tu peux avoir mon soutien à 40%, je peux te soutenir, mais pour moi, va là-bas, l'Assemblée Générale, va convaincre toi-même les gens. Ce n'est pas à moi de faire ta campagne, ce n'est pas à moi d'influencer, et je n'ai influencé personne. Je n'ai parlé à personne, Dieu m'entend, je n'ai dit à personne, pour voter Dodo. À nous deux, je le dis, je te soutiens, mais tu dois convaincre là-bas. Et il a convaincu. À qui a convaincu Nandengenaï? À celle de démarche, Naya Solena Batukuna. Et ça, je lui ai même posé la question. J'ai dit, Dodo, je sais que tu es dans l'entourage du président. Est-ce qu'à Yozoya, président Yebi, il m'a tendu à soutenir yo? Président Félix. Félix, ok. Eh bien, non, non, non. Naya Nandengenaï, le président n'a rien à voir avec ça. Et ça, ma conviction, Nandengenaï. Eh bien, d'accord. Mais va là-bas. Tu vois, je t'accepte. Pour moi aussi, je me dis, ça peut aussi être une nouvelle génération, puis il y a une innovation, il y a je te soutiens, c'est bon aussi, mais va convaincre les autres. Mais quelle est l'histoire de Dodo dans l'église? Quelle réputation il a? Quelles sont les œuvres à Sala déjà? Tant que père, oui, il y a parcours, il y a un moment donné, dans nos magas, comme président provincial à l'église, de réveil pour la vie de Kinshasa. Il a bien travaillé. Oui, il avait bien travaillé, puis il avait démissionné pour des raisons qu'il m'avait dites. Ben non, je trouve que dans la continuité, il y a ça et ça. Il a dit, Magui, démissionné. Aujourd'hui, l'Ikambouya Jeep n'a 50 000 dollars. Sony Kafou Talobi, que Yo, mais Melaki est Jeep, n'a 50 000 dollars. Donc, tu sais exactement c'est quoi? Non. Dans le Bateka, il a menti, parce que je ne veux pas utiliser des gens de propos. C'est un menteur. Je ne peux pas utiliser des propos tels que tu vas utiliser qui envers Ngaï. Moi, je suis un homme de paix. Je suis un homme plein d'amour. Je comprends. Je comprends Ngo Sony avec tout ce qui est arrivé. Il s'est vu humilié, quoi. Il s'est vu, c'est vrai que c'est une humiliation. Obama, membre effectif, à Salah qui est moi à sa place, je souffrirai comme lui. Je comprends que dans cette souffrance d'humiliation, et qu'il me règle les comptes de cette façon. Je le comprends. Mais est-ce que la Jeep est vraie? C'est faux. Je n'ai jamais amené une Jeep. Je n'ai jamais amené 50 000 dollars. Ni une proposition. Il sait. Il sait qu'il y a un Jeep. Ndeko Sony, elle a dit qu'il y a une présidence à Ossengambon, à la PC à Tambon en carburant. Parce que son mouton, elle a dit qu'il y a une PC à Tambon en carburant. Il y a une 50 000 dollars à la PC à Boyan. Réfléchissez un peu. Mais il a eu ça où ça? Histoire en Asie, ouais. Nako Olobati, je suis un homme tenu au strict respect, au secret, à ma solo. Je respecte ma solo, nanganaye. Mais yebi, que yé nangato solo, j'ai ma kama 50 000 dollars. Est-ce que Dodo Kambaza candidat à président de la République? Je ne pense pas, parce qu'il m'avait dit qu'il n'est pas le candidat du président de la République. Est-ce que dans ma solo, na yona fachi, ou bête à ma solo, il y a destitution, il y a Sonic Afoubati? Ma solo, nangana fachi. Ça va faire peut-être 11 mois. Il y a 11 mois. Oui. C'est l'année passée. Mais t'as fait quand même plus de 15 ans dans le domaine de la politique. Non, non, oui. Non, mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Crise d'agité, donc mon côté. Mais l'enjeu de la CENI était là. Moukolango, non, non, Moukolango, je me rappelle. Nagatama Solo, parce qu'il y avait quelques conseillers, quelques pasteurs qui m'avaient accompagné. Là, c'est que monsieur le président. Est-ce que Yébi Kinaza sous-président avec les éveils, c'est le général Sony qui m'a remplacé. Le président a répondu, j'ai suivi à la télévision votre passation du pouvoir. Et le président me pose la question, maintenant aux archevêques général, c'est vous-même ou ce sont vos pères qui vous ont élevé? Non, 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 monsieur le président, ce n'est pas de moi-même, ce sont mes pères qui m'ont élevé. Le président dit, vous le méritez. Expliquant mon église éveille, il soulève en moi. Mais après, tout le temps qu'on a passé, qu'on a passé avec ma soeur, on a qu'un délai. Donc, ce qui doit comprendre l'élo, pour clore ce sujet, Pasteur Kankinza, vous avez un problème dans ce qui a foutu. Personnellement, dans le Kambo, je n'ai tiré ficelle, je n'ai pas monté, mais je sais que ma relation est absurde depuis quelques temps. Ils ont bien été. Situation. Est-ce que Zali, Pasteur Kindo, Mbara, Monsieur Bravo? Parce que Bangoundi va être dans les institutions. Donc Bangoundi va être problématique à Makambo. En tout cas, je ne les accuse pas, mais c'est ça la vérité. Est-ce que vous avez un bon terme là, Bango? Vous avez un bon terme dans la situation. On a dit qu'on a télé 5 ans. On a dit qu'on a chaîne News, on a dit qu'on a fait un an.
Mais comment vous êtes arrivé là, Binoba Pasteur Brum Fingana Solo à TV? Mais c'est triste. Kingana, c'est la ta émission. Oui, c'est la première d'ailleurs. C'est la première. Ouais. Mais j'ai souffert en silence. Ouais. J'ai souffert en silence parce que, bah, propos diffamatoires, bah, Bilo tel que, Aliabambongo à l'église, des réveils. Tracteur. Aliabambongo à tracteur. Aliabambongo à tracteur. Mais le gouvernement a dit que c'est un tracteur dans mon côté. Le tracteur est dans la province et chaque représentant de l'église réveille est passé auprès du gouverneur pour nous retirer le tracteur. Et le oiseau le tracteur, c'est le bilanga. Il y a 15 ans. Parce que le tracteur, le gouverneur de la province, le représentant de la province, donc archi faux. Quand 15 ans, il y a une université, on a expliqué qu'on a coté ça 4 projets. Et pas à dire comme Néhémie, aucun sou n'a été libéré, dit le long. Intox. Balobi, Kinshasa, c'est un à 4000 pasteurs. Et que chaque pasteur a cotisé à $30, Boutounaï, Bambo, Onyo, Soana, et Kenab. Encore un autre mensonge. Mais comment les hommes de Dieu peuvent mentir facilement? Mais ça m'étonne. Soyez un seul. Oyo, peut faire comme le Rolanda. Tout n'a, c'est l'enquête, Nayo. Tout n'a pas pasteur, il va foutre à $30. Déjà, la cotisation de $10, la boyango, et quitte à $5. Et $5, les gens ne payent plus. Ça fait plusieurs années la cotisation et 4 ans. Vous n'avez jamais perçu Mbongwana? Non, non, on percevra comme qui. Parce que, la ville à Kinshasa, la gestion de la Kinshasa. Nous avons le président national. On a gestion à Kinshasa. Et chaque province a une gestion autonome. Nous avons aucun. L'ancien président Bazali. Mais qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que pasteur Kindomba n'a. Bravo, pas ça, pasteur? Oui, oui. Qu'est-ce que le pasteur Bravo et le pasteur Kindomba gagnent auprès de Sonny Kafuta? Je sais pas, sérieux de le dire. Sérieux de le dire. Parce que ceux qui bangonnent dans l'ouka d'institution, qu'est-ce qu'ils vont gagner en étant à côté de lui? Mais je pense que. Au fait, je pense que démarche à Mongolo Bazoua qui soutient Nangate. Ça, c'est ma conclusion. Bazoua qui soutient Nangate. Et bien comme Adodo Abimi, à mon adore, l'homme ne nous a pas soutenus, il a plutôt soutenu nos deux. Donc alors, diabolisons-le. Quand on dit par exemple, nous avons une liste de biloko, d'abord, il a fausseté, la cotisation en Israël, on n'a jamais à $30 par personne. Il a faux. On n'a jamais fait ça. Par lui, Atikata ordinateur. Siège inachevé, oui, mais le siège n'a jamais été acheté avec l'argent des offrandes, des cotisations, ma pasteur. Parce que cotisation, pasteur, trop comme un bon terme au Somme-Messica. C'était mes démarches personnelles. J'ai vu le président de la République à l'époque, la Sénat qui a son malade sur siège. Une année après, quelqu'un est venu me voir, Mambongo, Aïbi Mbongo, présent PC au Somme-Messica. Combien? Est-ce que c'est important? Il a 30 000 $. Parce que si on a beau le bas, il faut comment on a le bas qui a monté 30 000. $30 000 pour acheter une parcelle. Au son ma parcelle. C'est le montant que j'ai eu. C'est le montant que vous avez eu, pas le montant que le président a donné. Je ne sais pas. Jamais. Le montant, on a dit $30 000. $30 000. Est-ce qu'il y a un retour, il y a eu $30 000? Comité, il y a eu. Avec Mukuna. Parce que c'est avec lui que nous sommes allés acheter cet endroit. Mm. Avec 30 000 au son ma parcelle. C'est un peu comme Kauka, espace Mugo, au son ma qui est. Tant que tu sommes bien, espace, on a. Ngaï, devant le pasteur Bavandi, Nangaï, qui a expliqué sur mon camp d'élection, Nangaï, devant tout le monde, Nangaï, tu as un siège, il y a ma longue. Il y a un commis présent à Séni, dans le combo de l'église de réveil. Il y a un peu de l'église de réveil, bureau à ma longue, la place de l'église. Devant tout le monde, négociation à l'écart. Dans le bureau, on a un micro devant au moins 100 pasteurs, Bavandi. Nanga s'engage devant tout le monde. Je vais le faire. Nanga, Bandi Moussala, à Bukinda, comme Kézala Kyona. À Tonginda, qui a un niveau, il y a l'école, à Kitoko. Les lots, il va travailler comme presque 80% ici, là. C'est qu'au bureau, où est Zala Kyona, l'ordinateur est avec. Bah, photocopieux, c'est Zala Kyona. Tant qu'il va comme qu'au Bukanda, qu'on a, il faut que même ces blocs ne soient. Il y a des gens qui sont bimés. Et qui? Bon, vas-y, bon, malandak, bon, vas-y, bon, bon.
biloko ane kei. C'est comme ça que tout le monde s'est fait biloko na ba maison. Mais on vous dit, atikata ordinateur. Mais biloko ane kei, ne zongate pourquoi? Mais, et qu'on a placé, parce que biloko ane, biloko ane chantier. Si le les a chantier. Mais bateau basan, biloko ane baaba. Ezali, mais ce qu'on sait là, on est. Tu vois. Alors, na tiki siège. Yangwa. Le siège wana niveau est commis sur le bété kama. Pas moins à 100 000 dollars. Natik, une église est reconnue, Lelo. Je ne suis pas un voleur. Il y a une émission où Lelo pour nous arrive, que je n'ai jamais pris l'argent. Je n'ai jamais volé l'argent de qui que ce soit. Bon, à réveil, implantation, église de réveil sur l'ensemble des territoires du pays, je le fais avec mon argent. Pendant autant de la province, on a installé l'église de réveil. Tout le monde a repris ça en bon, à frais d'émission. Je le faisais avec l'argent de ma poche. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on me remercie. Espérons que la prochaine émission, pardon, peut-être qu'ils vont demander un droit de réponse. Mais oui, vont... mais je mérite sur le plateau, un droit de réponse. Voilà. Vous voulez qu'on organise un plateau avec Pasteur Kindomba? Je mérite. Parce que le Lunga, je ne m'en prends pas trop, Pasteur Sony. Il a dit des choses, il a fait à colère contre un gars. Je le comprends, c'est un ami de longue date. Mais c'est sur base. Mais Bandekouane, l'institution n'a pas l'ouki en moi. Est-ce que vous avez déjà appelé le pasteur Sony depuis Makambo Touliki? Non, non, non. Mais pourquoi Bengue? Tu as si quoi la plateau de la comme ça, tu as l'ouki en moi. On peut le faire avec vous maintenant. Non. Vous l'appelez comme ça. Il y a des négociateurs qui sont déjà là. Oui. Pas de besoin de négocier. Parce que vous avez appelé. Pour montrer que vous avez appelé, vous avez un numéro à téléphone, tu peux l'appeler en direct. Comme ça, tout le monde entendra comment il va répondre. Soit répondre au Mabé, on saura qu'il a effectivement. Non, je préfère laisser déjà. Ma bande de baza déjà wana on a dit ma qui va faire la négociation bazo sala ba o sala très bien ba yoki e ba yokinga te baza bolu kandenge ni ba kokutana sa biso donc je préfère ba continuer musana ba et je suis prêt à les rencontrer mais en présence ya ba o wana nyo swana pour na ibisa ki voilà na cause na part na responsabilité na mutu mais l'idée au départ c'est pas moi. Très bien, c'est pas moi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez suivi la première partie à Paris à Archevêque Général. Il y a l'obi pour naïe yangoana. Et à la tangi kombo bato baza, le considérer le quoi bato azo matisse ba opel sa moto, et sa pasteur Kindomba, la pasteur Bravo. Et le pasteur est clair, l'obi est disponible dans sa l'émission à Bango pour que ba qu'on a confronté ba propos au yazo loba na ou ya Bango, ce qui ba gonim. Alors l'invitation est lancée au pasteur Kindomba que je n'ai jamais rencontré physiquement. Donc, au pasteur Bravo, que je ne connais peut-être pas aussi des vues, Bato Bayeyi Bango, Batine de la Bango vidéo, ceux qui sont disponibles, Bayeyi Koussa l'émission, le pasteur, l'évêque général est là, on pourra discuter comme les enfants de Dieu pour trouver des solutions parce que, Alouada Moutakimia. Merci beaucoup, archevêque général. C'est moi qui vous remercie parce que, Nébi, que, Moukil Moumbeb, la même version, parce que mes amis ont beaucoup parlé. Et j'en ai souffert. Et comme je suis dans la publication, je vois ma réaction, ma injure dans la publication. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut que je brise le silence. Donc vous nous affirmez que le chef de l'État n'a rien à voir à Marambo. Et que ce n'est pas le cas. Je vais une minute. Je vais vous dire bien que le pouvoir actuel ne nous est pas favorable. Aïe bien. Comment ça? Parce que ce pouvoir nous a toujours traité des kabilistes. Banda Baya. Parce que ça va bien, il ne nous approche pas. Bon, ma bateau m'approchera, parce que tu es là, il y a une église, il y a une non. Non. Je connais. Le président Fatih, peut-être, il est mon personnellement, mais je sais que entourage Ming, il va dire, bah, quand 15 ans, on a Awate, bah, Sony, Awate, bah, toi, on a été, bah, ça y Kabila, Kevin, bah, toi. C'est comme ça qu'on nous a, on nous a présenté, c'est le tableau qui a été peint. Maintenant, nous, le lot améliorera sa salamité dans le sens de la que comme pécho envers nous, et comme un gars, il y a 61 ans, responsable que je suis, il y a un camarade à ma casse, il y a un à ma casse, et pas au bien qu'ils allaient. Je ne peux pas faire ça. Vous pensez que Fatih ne vous aime pas? Pas lui personnellement. Le seul entourage ne vous aime oui, pas? Oui, bien sûr. Et comment vous vivez ça? Mais je trouve ça seulement injuste. Parce que il y a mon gars dans la Kabila. Dans la coalition. Tout le monde est dans la Kabila. Dans la salle. Mais souvent, la présidence. C'est comme dans le protocole. Tout le monde est dans la Kabila. Bon, au bisous. Est-ce que dans la salle dans la Kabila? J'étais simplement un partenaire.
consultant. Et quel est l'eau qu'on nous diabolise à niveau Anna. Je peux pas bilo information dans un ango et ça le coûte. Quand je vois ce comment ma relation avec ça na régime, je peux dire que oui, c'est vrai que est-ce que dans votre conversation avec Fatou, vous avez senti un désamour? Non, pas avec lui personnellement, n'a été, mais la plupart des bateaux bah diabolisés parce qu'ils sont très proches de lui. Ils peuvent aussi toujours l'influencer, ils peuvent toujours aussi jouer. Dodo Kamba va jouer un rôle important. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin que quelqu'un joue un rôle. Je laisse le temps au temps. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. L'émission est ouverte. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Je plus précisément dans la Washington. Je suis maman Martine. Maman Martine. Je suis Shop Africa Union. Mais quand tu es un bilan, il y a un million congolais. On est un bilan. Il y a 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 bio. Bio Africa Union et toi t'es là. Tout à coup on n'a pas six mois. Sinon vous voyez pas, sinon vous voyez rien. Mais quand on a l'air de l'autre, il y a Mboka. Il y a Fresh. Il y a Bio. Bio na Bio. Bio na Bio. Si on a maman Bayo, pour la mon kanja y sali. Parobi Ndjombo y ali. Et Kouba Paniwa. Parobi Ndjente y sali. La Komba Kanga y est un poto y ambise. Parobi Ndjamba y a Boto y a Boko Boto y Saga. Kala Ngando de Nalani na Bazi. Eh, oye de ke, na Soutou. Et ça, on y a na Peti. Pour maman Marde. Pour pas comprendre le thème, ma congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie. Bah, toi, les radios, Coriana, appétit! Oh.